Mesdames, Demoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Réflexion. Réflexion, c'est une tranche de contact pro-life que nous avions lancée cette année. C'est vraiment avec un grand plaisir, avec beaucoup de joie que je suis là devant vous. Pourquoi cette joie? Parce que lorsqu'on se retrouve pour réfléchir pour notre pays, ça nous fait de la joie parce que nous constatons et nous sommes là habilités donc à venir vous apporter nos réflexions, notre pierre pour la reconstruction de notre pays. C'est ça qui fait notre joie, c'est ça qui nous anime même lorsque nous nous disons comment est-ce que nous pouvons sortir notre pays dans le marasme de ce développement. Vous aviez lu bien sûr dans le titre Félix, le roi du Congo, le pouvoir qui est concentré entre les mains. Et donc, vous êtes, sans le deviner, que nous allons parler du président de la République, Bandeko Eza Somo. Il y a beaucoup de choses qui commencent à nous faire jaser, à nous donner de la colère. On se dit, finalement, nous sommes dans quel pays? Nous allons lire un tout petit peu une petite tranche de la Constitution. Nous l'avions déjà lu dans le passé, mais aujourd'hui, nous allons encore rappeler au peuple congolais les fonctions du président de la République. Et c'est là que nous nous sommes en train de nous dire que Tozo Bunga Nzela, Tozo Bunga Bandeko. Nous voyons les politiciens qui sont en train de nous perdre. Il n'y a plus d'ordre en République démocratique du Congo. Qui dirige le Congo et comment il le dirige? Allons-nous être dirigés par les humeurs des gens? Mutuala Muki Kakabwa Komikolo Bakeno, le président de la République, de l'Assemblée nationale, le premier ministre, c'est de l'apanage ou bien éloco, il y a président, et c'est dans le pouvoir discrétionnel du président de la République. Alors aujourd'hui, nous allons voir quels sont les pouvoirs, certains simplement de ce pouvoir du président de la République. Tokotange Labino, selon l'article 81 de notre Constitution, le pouvoir du président de la République est Zanini. Quel est son travail? Parce que de temps en temps, il faut que Tobanda revienne à Kanababilo Kwana. Parce que les politiciens, ils sont en train de nous perdre. On veut instaurer une royauté ou bien on continuera, on va faire pour que nous puissions rester dans une république dirigée par les lois. Félix, en venant au pouvoir dans son premier mandat, il avait dit que non, il luttait pour qu'il y ait état des droits. L'état des droits, c'est quoi? L'état des droits, c'est le respect justement de cette constitution qui est le carcan, qui est l'essentiel de notre Bible pour la direction de notre pays. Constitution, on a mis Bekwana Ndeza Kotiabiso ensemble. Mais mis Bekwana Ezolo Banini. Ezo pèse à pouvoir Nini na président de la République. Yangwana Tokosolo Lalelo. Donc, nous allons parler de ça aujourd'hui. Et donc, voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. Mambasa, 4 morts dans une attaque ADF à Pikidi. Et la perspective d'un déploiement des militaires russes au Niger divise la junte. Nord Kivu, 2 pasteurs assassinés par le M23 près de Kichanga. Et enfin Tanganyika, la ville de Kalemie, privée d'eau et du courant depuis 5 jours. On va sur actualité.cd. Création du PCR au sein de l'Union Sacrée, tout se décide autour de la répartition de postes. Assemblée nationale, bureau sortant et bureau d'âge procèdent à la remise et reprise. Insécurité à Goma, le corps sans vie d'un homme découvert flottant sur les eaux du lac Kivu. Congo profond, entre l'ignorance de la valeur de la biodiversité et l'appel à la responsabilité, ça c'est une réflexion. Et puis entre désir et nécessité, un nouveau regard de la RDC. Félix Tshisekedi fait appel à une entreprise turque pour nettoyer Kinshasa. 7 sur 7, Jules Allinguette est parmi les personnalités qui ont marqué l'année 2023. Et puis RDC, voici les conditions posées par Félix Tshisekedi avant d'envisager une résolution de la crise avec le Rwanda par les voies diplomatiques. Enfin, Félix Tshisekedi au corps diplomatique, aucun dialogue ne peut et ne pourra intervenir avec une autre agresseur tant qu'il occupera, quelle que soit l'étendue, une portion de notre territoire. On va terminer sur Radio Okapi.
Le législatif fixé au 5 octobre prochain à Kwamutu, Rutshuru et Masisi. Et puis Kasumba laisse à 5 morts et plus de 20 malades de choléra enregistrés en une semaine. Ituri, des ADF établissent leurs bastions dans plusieurs localités. Goma, désormais toute personne qui entre ou sort de la ville doit être identifiée. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Avant de nommer les ambassadeurs, ils se consultent dans un conseil de ministres. Quels sont les modis vivendis pour Namutuana? Est-ce que Akosale Labiso Moussala bien? C'est un domaine de collaboration. Donc le président de la République n'a pas le pouvoir aujourd'hui de se réveiller et commence à nommer les gens comme ça. Non, il faudrait qu'il y ait un gouvernement et que le gouvernement se concerte et puis le président a sa nomination kuna, ou bien a révoqué. Ambassadeurs et les envoyés extraordinaires, les officiers généraux supérieurs des forces armées et de la police nationale, les conseils supérieurs et la défense entendus, les chefs d'état-major, des états-majors, les commandants de grandes des unités des forces armées et les conseils supérieurs de défense entendu. Les hauts fonctionnaires de l'administration publique, les hauts fonctionnaires, et les administrateurs de territoire, nous avons vu le président de la République nommer les administrateurs de territoire. Ça, ce n'est pas ce que dit la Constitution. Les hauts fonctionnaires dans l'administration publique, ce sont les secrétaires généraux, les babilos comme ça, Bah, commissaire au compte, les mandataires de l'État dans les entreprises et organismes publics, ça c'est un domaine réservé entre le président de la République et le gouvernement. Et ça le makana conseil des ministres. Mais le loto koma komona nini, président de la République, ordonnance mokoza, batangi angokuna na RTNC, oba nommé ba mandataire public. Ça ne passe même plus au conseil de ministres. Donc, dans l'état haute, dans le gouvernement, il y a un transitoire, dans a investi. Le président n'a pas le droit de nommer les battus à banane. A quoi qu'il y a un côté. Alors, ce qui est ok dans l'article 82, dans l'article 82, l'obinini bande konangai. Le président de la République nomme, relève de leurs fonctions, dans le cas échéant, par ordonnance, les magistrats de siège et de parquet. Ça domaine à collaboration. Vous comprendrez que là, nous sommes dans l'article 82. Dans l'article 81, il y a un domaine à collaboration entre le premier ministre, donc le gouvernement, et le président de la République. Mais l'article 82, ça, ce sont les prérogatives du président de la République. Les noms relèvent de leurs fonctions et, le cas échéant, révoquent par ordonnance les magistrats de siège et du parquet, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, s'il vous plaît. À quelque chose qu'on a mon côté à l'obibo et mouton, Conseil supérieur, il ne faut pas siéger. Les ordonnances dont question alinéa précédente sont contresigné par le premier ministre. Donc, même dans 82, dans 81 articles, il doit y avoir un contresign du premier ministre. Donc, le gouvernement faut aller en place. Et c'est par là, Bamboutou Moutouza, Koya Mikolo, Eza Ponanini, Eza Otoza Kolobakeno, président, Toza n'a besoin de premier ministre. Bandeko, le premier ministre est nommé comment? Le premier ministre est nommé justement dans le groupe de la majorité au Parlement. Et qu'est-ce qu'on a la majorité? Il y a opposition. Comment est-ce qu'on a la majorité? Il y a supporté président de la République. Majorité, il doit y avoir un émissaire que le président envoie. Au cas où nous n'avons pas eu, par exemple, nous n'avons pas eu une majorité écrasante ou bien majorité, parti moko ya majorité et longa qui. Ce qui est en majorité,
clarté. C'est dès lors que le président de la République à Tindaka, émissaire à Tindaka, un envoyé dans le Parlement, a décelé majorité Zawapi. C'est par là que nous allons trouver un premier ministre. Dès que majorité a dégagé dans le Parlement, la majorité là va choisir un premier ministre. Le premier ministre viendra de ce groupe-là, de la majorité. Et au qui cause la majorité, moko eza opposition. Ou bien eza majorité, moko o eza nango, et outi naba parti politique te. Société civile. Bah, se former majorité na bango, baza naba député belé. C'est ça la guerre qui est là. Il y a ba cartel pour l'instant. Bah, tu baza ko kanisakeno ba majorité na bango, et baza la majorité pour que ait influencé nomination à premier ministre. Et ce n'est pas le président de la République. Ces gens-là doivent être baza la libre, baza la indépendant, baza se choisir parmi eux. Quelqu'un qui devra les représenter et qui constituera le programme. Ponanini. Parce que programme en majorité, on a ne koyako, bakoyako sala na katia domaine à collaboration à président de la République, bako vanda ensemble, bati yango ensemble, biso majorité, voici programme na biso yango oyo. Pourquoi ce programme-là devra être discuté avec le président de la République? Parce que c'est un domaine de collaboration. Bakoya, ils ne travaillent pas tous, ils ne travaillent pas pour le président de la République. Le gouvernement ne travaillera pas pour le président de la République. Il travaillera pour assouvir babanani baba programme en majorité. C'est dès lors que nous allons trouver une majorité. Majorité, on attend que mon nana, tokoye, bon programme, na biso na majorité, toko salande yenin. Qu'est-ce que nous allons faire? Et c'est maintenant là qu'ils vont choisir un représentant. Qui sera le premier ministre? Bah, que le premier ministre, on a pour que le président de la République puisse le nommer comme premier ministre. À légiférer donc par la loi, parce que c'est une. Balobi kaka ezali. Investir, disons, nomination. Lorsque le président nomme, donc le choix est parmi la majorité, la nomination est faite par le premier ministre, l'investiture de ce premier ministre est faite par le Parlement. Bon, moi, il y a une étape misatouana. Et donc, aujourd'hui, on est en train de faire semblant. Aujourd'hui, on ne veut pas suivre la loi, effectivement, comment la loi nous demande de le faire. Yango nanga na linga kina éclaircir bino na loba bande komboka na biso tozo kende wapi? Où est-ce que nous allons? Ce n'est pas dans la discrétion du de la discrétion personnelle du président de la République qu'on nommera même un président de l'Assemblée nationale. Non, le président de l'Assemblée nationale azalaka nommé ndenge nini? Il est nommé par le Parlement. Ba kosala kuna na kati eza nani suffrage universel. Les gens vont poser des candidatures. Alors, tout le temps, nous sommes en majorité. Oh, bah, c'est constitué en majorité. Ils vont proposer, bah, koloba. Bon, ok. Tout ça, Moutounabiso, Azala, Nani, Azala, président du Parlement. Et de l'autre côté, il y a aussi des règlements d'ordre intérieur qui montrent que non. Bah, Nani, bureau du Parlement, il y a Nani, mon côté. Il faudrait aussi que l'opposition ait Azala. Naba eza la représenter, c'est comme ça qu'il y a le bureau, au commun, le bureau est à peu près composé de 7 ou 8 personnes. Je vous évite un peu de citer les noms de ces gens-là. Ce n'est pas le président de la République qui va constituer, sinon le pouvoir, ça sera monolithique. Bandeko, les lotos à commun à Nini. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est comme si on a déifié le président de la République. Chose qu'il réclamait depuis 2018. Je ne veux pas être dictateur. Le président Félix l'avait dit. Mais aujourd'hui, nous avons tendance à penser que tout doit être fait par le président de la République. Il faut aller les consulter. Et même, Botala, même dans ma commission électorale, nous avions entendu que Kadima allait consulter le président de la République. Bah, tout au zoyo, kakeno, ba nomination, bo, et cour constitutionnelle, et ça caporalisé. Et donc, le président de la République devient une institution qui contrôle tout finalement. Et finalement, le pouvoir va se faire comment? Parce que na cour des comptes, na partout.
tendance Zali kaka bon il faut président de la République a distribué ma poste. Et c'est comme ça maintenant que vous aviez vu que Kamere sautant le premier en se disant il faudrait que nous soyons le premier à manifester à ce que on puisse nous voir que bisonde mututoza ba konzikote à parlement ah bisonde toza na majorité et ainsi donc parmi nous quelqu'un doit venir de la de ah, il faut aya nanani na aza la premier ministre Kamere vous n'avez pas la majorité parlementaire. Vous avez la majorité dans l'union sacrée, na katia majorité na bino, mais il y a aussi d'autres personnes qui devra bon constituer majorité. Wana ils vont c'est bon en fait la majorité c'est sûr de quoi normalement la majorité a qu'on supporte président de la République T. La majorité qui dont on parle ici, ce sont les idées novatrices, les courants politiques. Vous voulez aller dans le socialisme. Les gens vont se penser dans les courants politiques. Ici, nous voyons que les gens sont en train de se pencher sur les hommes. Oh non, puis c'est toi qui supportes le président de la République. Quel est le président? Nous supportons les hommes ou bien nous supportons les programmes et l'idéologie qui voudraient être implémentés pour la gestion de notre pays. C'est ça le courant politique. On n'en parle plus au Parlement. Et les vieux politiciens n'en parlent même plus. Ce sont les courants politiques. Quels sont ces courants politiques? Bamsou Bazaba capitaliste, Bamsou Bazaba socialiste, Bamsou Bazaba démocrate, Bamsou Bazaba républicain, tout ça. Ça, ce sont les idéologies où les députés devraient aller se pencher. Bah, parti politique, on a Ezali na ba idéologie nini. C'est ça le problème, Abouloué, que Otozana on a na Congo maintenant. Parce qu'on ne comprend pas. Est-ce que ce sont les hommes qui vont... On va être dirigé par les humeurs des hommes ou bien on va être dirigé par un courant politique qu'on va imposer pour la direction et la gestion de notre pays? Les questions sont à poser. Batouaza Kokendekaka, oh président, oh Bissotoza derrière le président de la République. Mais que veut faire le président de la République? Son programme, c'est quoi? C'est l'union sacrée. L'union sacrée, c'est quoi? Oh, c'est supporter le président de la République. Finalement, on tourne en rond et... Tobungin Zela Bandeko.
Nous avons perdu le Nord. Le Congo a perdu le Nord. Et le Congo mérite mieux. Le Congo mérite mieux. Et tous ces bandes de gens qui sont au Parlement là-bas ne comprennent plus. Même la façon dont ils sont en train de se choisir. Les partis politiques ne savent même pas quel est le courant qu'ils défendent. On ne définit même pas. Le courant, il y a un peu de Parlement. Quels sont? Il n'y en a plus. Et comme Kaka, Likambo et Amoutou. Oh, le président Fachi Beton. Oh, Kamere. Oh, non, tout ça. On se pose la question, Katumbi est de quel courant politique? L'ensemble est quel courant politique? Delice Sanga, vous êtes de quel courant politique? La société civile, vous défendez quel courant politique? Qu'est-ce que vous voulez implémenter? Et comme Kakao, majorité Yanini, nous allons nous réunir autour d'une majorité, notre majorité, pour faire quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que vous défendez dans votre majorité? Bah, député, bah, qu'on joindre Bino, pour bah, supporter Bino, dans quel programme? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Qu'est-ce qui doit être fait? Comment est-ce que nous allons vous évaluer pour avoir sa porte président de la République? Et là, nous sommes dans les hommes. Et vous allez encore comprendre que Batou, beaucoup de discussions se disent que non, en République démocratique du Congo, nous avons une crise d'hommes. D'autres ont dit la crise des institutions. Moi, je dis que ce sont les crises des institutions parce que les institutions ne fonctionnent pas. Pourquoi? Parce que nous ne comprenons pas comment faire fonctionner ces institutions, ça, ces institutions-là. Nous ne comprenons pas. Nous avions pensé que Mutu soki ayewanande akomika kayende Mutu soka lobili kambwe salemi. C'est ainsi que tout le pouvoir est confié au président de la République. Tozo ye balisou soute président de la République alingia mema mboka wapi. Kotongela bino po. Kotongela bino banda kuna bino kopesa bino babanani bababa jeep. On ne sait pas quel est le courant politique que le président de la République Azako sapote. Toye bien ngote. Beaucoup dans les partis politiques ne connaissent même pas. Okoyoka ka onga naza membre à parti politique UDPS. Onga naza. Mais quel est votre courant politique? Socialisme. C'est ça que vous devrez pas démocratique Zulani. Bon imposer dans le parlement. C'est cette idéologie que maintenant lorsque vous êtes au parlement, vous dites voici notre idéologie. Tout le monde qui veut là, c'est que nous puissions implémenter cette idéologie. Et que tous yambango, boya tous sangana. C'est autour des idées que nous devons dégager une majorité, mais pas autour des hommes. Ces hommes-là peuvent être des idiots, baza ko diriger mboka na biso, excusez-moi le terme. Mais nous allons finir où tozo kende wapi bandeko. Mboka to bungi siango, toza te. Le pays est en moule. Donc, comme Balobana Lingala, to bungisi mutu. Mutu na biso ezo sala soute. Nous ne savons pas ce que nous faisons. Tozo même mboka na biso. C'est la cause même de toutes ces guerres, de toutes ces frustrations en mboka na biso. Parce que je suis en mboka tango eza mala mute. Babilo konyo soutou il faut ezala. Tout ce que nous allons vivre ici, ce sont les décrambolages, corruption, kozala, nous ne savons pas comment faire l'administration, nous ne savons pas tout. Toyebi est là comme mon côté, kaka ko crier fachi beton. Et là, je vous dis que tokosiri sapeka mbamboka bamboula op fachaza na pouvoir, to salipe est là comme mon côté. Parce que nous attendrons tout de fachi. Ce qui a kosoli kaka, a kosola ki. Donc tout devrait tourner tout autour de cet homme-là. C'est comme ça que même la fonction du premier ministre est désacralisée. Azamutu Amusala est président de la République. Or, ce n'est pas ça que l'a dit la Constitution Bande Konanga. C'est pas ça que dit la Constitution. Premier ministre Azamusala est président de la République. Nous devons appliquer cette séparation de pouvoir. Et pour l'appliquer, c'est la façon dont la Constitution nous donne ici. Nous sommes en train d'écouter Batou. Na ndenge ke ndenge otozo bunga. Ezo tindi kabiso to kende souko changer ba mibeko oyo. Na 2011, loi numéro 11/002, il y a le 20 janvier 2011. On a changé les dispositifs. Il y a constitution, oh, bah, tour est à la mi-balé, il y a élection. Au lieu de la tour mi-balé, comme à tour moko. C'est sûr à propos de cette loi-là. Et aujourd'hui, tous ceux qui ont l'intention aussi de changer cette constitution-là. Il y a un peu de ça passe.
Et ça, ça passe parce que tu as changé, tu as réfléchi pour te redresser la constitution. Au moment où tu as été placé, nous allons encore tomber des erreurs, en erreur. Pourquoi est-ce que nous avions fait ceci? Conséquence, nango tricherie, comment on a dit qu'il y a Liboma dans l'élection. Pourquoi nous avions enlevé les deux tours? Vous êtes à peu près 20 candidats. Au lieu de ça, l'élimination d'abord à Liboso, et puis tu as un système à Koyeba, nani exactement, tu comme tu as un balé. C'est à ce moment-là que nous pouvions savoir que qui est qui. Mais les lots ont comme un bourrouillé que Bandeko. Voilà. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous s'il vous plaît. Partagez nos émissions. Laissez des commentaires, ça nous fait du bien. Mais une chose. Ce qu'on commente et qu'on oppose une question, rassure-toi que tu es abonné parce que ce qu'on a abonné, tu n'as pas répondu à la question. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, il n'a pas voulu, il y a ce que naye bakombo naye. Bon, na moyen naye, nous avons discuté pendant, je ne sais pas, une heure de temps pour que naye kota la keno, aza naye kuto abonné, te alanda nangayo naye ngaye kaka. Et lorsque j'ai découvert, je lui ai dit, la façon de me supporter, la façon de me contredire, abonne-toi sur ma chaîne. Comme ça, l'émission n'a pas continué. Et puis, visibilité n'a pas été libérée. Et mon nana n'a pas été belé. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup pour m'avoir encore accepté. Pour la première fois, abonnez-vous. Moi, c'est Germain Kaindo. Nous émettons à partir de l'Afrique du Sud, à Johannesburg. On se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir.